Ouais, ben aujourd'hui, on a une émission spéciale. Ça va être une émission sur l'histoire de vie, une histoire ancestrale et historique de la pêche, et quelque chose d'unique qu'une personne a vécu, qui a passé une partie de sa vie à la défense de son pays, a parti une compagnie de construction, due à des blessures et des incapacités physiques, s'est recyclé en guide, mais pas seulement un guide de pêche, mais un guide de plein air. Que ça soit du chien de traîneau, des randonnées en chevaux, ou la pêche à la grise, le tout l'a dit, l'arc-en-ciel, la chicane et le doré, le type dont je vais vous faire rencontrer, qui s'appelle Paul Robitaille, a une histoire de vie à nous rencontrer, dont vous allez trouver très intéressant. La semaine passée, quand on a pêché, on a parlé un petit peu d'historique, toi et deux, une petite connaissance ensemble. Mais tu m'as partagé ton histoire de vie que j'ai trouvé vraiment unique. Tu es parti des forces, tu as parti d'une compagnie pour devenir aujourd'hui être guide de plein air, de plusieurs activités. Comment ça que tu partages avec les gens un petit peu? Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai commencé à guider. Des expéditions de canots, des expéditions de traîneaux à chiens. J'ai participé à des expéditions à cheval principalement pour apporter des gens dans des zones éloignées pour pratiquer la pêche. OK, OK. Puis éventuellement, au fil des années, j'ai pris de l'expérience. Puis c'est un domaine qui m'attirait. Puis malheureusement, j'ai eu un accident de travail 4 ans passés. OK. Puis ça a complètement changé ma vie. Puis au fil des 4 dernières années, mais la pêche m'a amené à vouloir faire ça à temps plein. Parce que c'est une des seules options qui me reste vraiment pour passer le reste de mes jours. OK. Puis je concentre mes efforts sur faire partager ma passion avec des gens, puis de leur faire découvrir la nature, puis de partager le respect de la nature en gros avec eux autres. Il y a eu des études faites sur les génétiques par Chris Wilson du ministère de l'Ontario. Puis la chose intéressante du tout l'a dit, c'est qu'il y a 5 souches différentes. L'Atlantique, dont la plupart couvrent le territoire québécois. Le Mississippi, qui est une espèce qui venait du drainage du Mississippi, aussi qui couvre une partie du Québec. On a aussi le Nahanni, qui est une espèce plus nord-ouest, ouest du Canada, le Beringia, qui est l'espèce qu'on retrouve beaucoup dans le Grand Lac des Esclaves et puis Great Bear Lake, et puis la partie nord du Québec.
Il y a aussi la souche du Montana. Et puis, la souche du Montana ne va pas aussi loin que le Québec, quoique il y a une petite trêvée puis une ligne qu'on montrera dans les cartes qui va démontrer les provocations qui s'est passées pendant les périodes glaciales. Les souches les plus importantes qui ont populé, si vous voulez, les eaux québécoises, c'est l'Atlantique, puis le Mississippi, la souche du Mississippi, incluant celui du Beringia, qui est la souche du Grand Nord québécois. C'est une des raisons qu'on retrouve les grosses truites grises, ou les touladies qu'on appelle, dans le Nord québécois, qui peuvent dépasser les 30, 40, 50 livres, qui rivalisent ceux-là du Grand Lac des Esclaves ou Great Bear Lake. Bien, en général, les truites grises, entre 5, 10, 15 livres, c'est toutes ceux-là de souche du Mississippi ou de l'Atlantique. Il y a différentes méthodes qu'on peut pêcher au touladie. Moi, j'aime pêcher avec des devants. Il y a la cuillère qui est très bonne, que Paul va monter tantôt. Tout simplement, qu'est-ce que je mets un petit plomb coulissant de même, qu'on tourne en caoutchouc, à peu près à 30 pouces du leurre. Ça aide à le faire descendre aux alentours des 10 à 15 pieds de profond. Puis après ça, on cherche à repérer les poissons. Ça peut varier entre 10 pieds et 30, 40 pieds de profond. Paul, si tu peux montrer un petit peu ton montage que tu as. C'est un petit peu différent au mien, mais similaire. Oui, la façon que je monte les leurres en début de saison, c'est je mets un plomb avec un émerillon d'une demi-once. Ensuite, je me laisse un bas de ligne en fluocarbone où j'utilise la 12 livres. Puis ensuite, je me mets une petite attache, un petit crosslock. Puis, comme ça, on peut changer notre leurre. Une leurre de choix que je préfère, puis le touladie, c'est la cuillère William Darty, qui est très efficace pour moi. Puis c'est sûr qu'au fil de la journée, souvent, je vais essayer des devons, différentes sortes de cuillères. Puis si je marque du poisson un peu plus bas que 20-25 pieds, je vais changer mon plomb pour l'augmenter de pesanteur. Yes, sir. Excellent. Excellent. On va laisser à l'eau. Temps de la décrocher. Après toi, Paul, un petit peu en bas des normes. On va checker ça. Les pinces, hein? On va te laisser faire ça. Ici, les normes, c'est 55 cm. Là, on a 47 avant. On va la gracier, on va venir plus grosse. On en fait une! Yes! Excellent, Paul! Excellent! Un bon début de journée! Explique-moi un petit peu les randonnées de traîneaux et de chevaux que vous avez faites. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est des aspects, tu sais, nous, depuis 25 ans, je suis un focus sur la pêche, mais le plein air, c'est la chasse, la pêche, le traîneau de chien. Moi, j'en ai un ski mélangé avec du loup. Et puis, les randonnées de chevaux à la pêche, ça, je trouve ça intéressant. Dans quel coin que tu pratiquais ces activités-là? Dans le secteur de Tremblant, de Laurentides plutôt.
OK. Puis on a concentré nos efforts sur des terres de la couronne. On a pratiquement ensemencé une dizaine de lacs. On partait de la pisciculture avec des sacs, avec des bonbons d'oxygène. Puis c'est une randonnée de 2 jours se rendre pour mettre nos poissons dans nos cours d'eau. Toute une épreuve? Toute une épreuve, mais c'est quelque chose qui a été bien payant pour nous autres. Côté pêche, côté expérience, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais, des choses comme ça. Une expérience terrible. Puis ça nous a donné le partage de l'humain avec la nature. C'est quelque chose qui... Le goût de la vie. Oui, puis c'est de redonner un peu à la nature qu'elle nous donne à tous les jours. Souvent, on passe à côté des petites choses qui peuvent exister dans la vie. Hein? Puis c'est des obstacles, puis des épreuves de la vie qui nous fait apprécier chaque moment. Puis surtout, on s'entend que la vie, c'est un voyage, là. Ça commence à notre naissance, ça finit à notre décès. Fait qu'entre ces moments-là, il faut s'arranger pour les vivre le plus pleinement possible. Puis heureux. Oui, absolument, surtout. Absolument, absolument. Très récemment, on a annoncé la mise en place d'un moratoire sur la pêche commerciale et sportive de la perche chaude actuellement. Pour quelles raisons on a instauré ces mesures-là, Philippe? En fait, il faut comprendre qu'historiquement, la perche chaude a été, durant plusieurs décennies, là, au cœur du développement socio-économique de la région du Lac-Saint-Pierre. C'est vraiment l'espèce emblématique qui a soutenu la pêche durant très longtemps. Au début des années 80, il se prenait environ 300 tonnes de perche chaude à la pêche sportive et à la pêche commerciale combinées. Puis dans les dernières années, depuis 2008, on est passé à 12,3 tonnes. Donc l'espèce a connu une chute d'abondance vraiment très importante là, depuis le début des années 80. Cette chute d'abondance-là, on la remarque depuis le début des années 80. Il y a un certain nombre de mesures qui avaient été mises en place. Quelles sont ces mesures qui ont été mises en place historiquement là, par votre direction régionale? Donc, à partir de 94, milieu des années 90, là, vraiment, le ministère est passé à l'action. On a principalement agi là, sur l'exploitation, donc on a réduit la pression de pêche sur l'espèce parce qu'on voyait que l'espèce était en difficulté. Donc, pour enlever de la pression, on a réduit les saisons de pêche. On a instauré des limites de prise et de possession qui ont été graduellement réduites dans le temps. On a également, avec plusieurs partenaires, là, racheté une partie des permis de pêche commerciale. On est passé de 42 pêcheurs commerciaux dans la période avant 2002, à 6 pêcheurs commerciaux en 2008 avec l'avènement du dernier plan de gestion de l'espèce au Lac-Saint-Pierre. Et malgré ces mesures-là restrictives, on constate suite aux derniers inventaires qu'on a fait que la perche chaude continue à décliner et son niveau d'abondance est rendu très bas. Y a-t-il d'autres causes aussi qui peuvent expliquer, outre la pression de pêche commerciale et sportive, qui peuvent expliquer une si grande chute d'abondance dans la population de perche chaude? Oui, on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. En fait, on escomptait avec toute la réduction de la pression de pêche qu'on a imposée là, au fil du temps. On escomptait, comme ça a été le cas dans d'autres systèmes, les grands lacs,
Entre autres, avec des réductions de la pression de pêche, l'espèce a rebondi puis a atteint des niveaux d'abondance acceptables. C'est tout l'opposé qui a été vécu au lac Saint-Pierre. C'est dû au fait qu'au fil du temps, en même temps où on imposait des restrictions à la pêche, il y a des nouvelles pressions qui se sont ajoutées sur le système du lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre, les habitats de la perche chaude ont graduellement changé. Et ce qu'on a remarqué, entre autres, un des facteurs limitant actuellement le rétablissement de ce stock-là, c'est la croissance des jeunes perches chaudes. Ce qu'il faut savoir, ce qui est bien important, c'est que lors de leur première année de vie, les jeunes perches chaudes, à la fin d'octobre, doivent atteindre un minimum de 7 cm pour espérer passer l'hiver. Ils doivent accumuler suffisamment de réserves énergétiques pour pallier au manque de nourriture durant leur premier hiver. Ce qu'on a remarqué, c'est que depuis le début des années 80, la croissance de ces jeunes poissons-là est en chute constante. Puis, au cours des 10 dernières années, les mesures qui ont été faites sur ces jeunes poissons-là, là, vraiment démontrent que les poissons ont peine à atteindre la taille minimale pour espérer survivre à leur premier hiver. Ça a des impacts sur la quantité de jeunes poissons qui sont produits dans le lac Saint-Pierre. Donc, ce qui dit réduction de l'abondance des jeunes dit, dans un avenir proche, un manque de ce qu'on appelle le recrutement. Donc, c'est l'abondance des jeunes poissons qui vieillissent puis qui vont soutenir la pêche dans quelques années. Donc, étant donné qu'on a une faible production de jeunes poissons, il y a vraiment un niveau de risque très élevé que la population s'effondre d'ici 2 à 3 ans, basé sur les mesures d'abondance des jeunes poissons, principalement d'âge 2 ans et 3 ans là, dans le lac Saint-Pierre. C'est ce qui a motivé l'instauration d'une protection accrue, même totale, intégrale de cette population-là actuellement. Bien, Marc! Excellent! Une des choses intéressantes du réseau de suivi écologique sur le Touladie que le ministère a fait, c'est que les Touladies ou les truites grises qui ont tendance à se nourrir de poissons pélagiques tels que le cisco, les perlans, ont une croissance plus rapide. Et ils atteignent la taille de maturité sexuelle entre 49 et 55 cm. À comparer des espèces de touladies ou des variétés de touladies qui vivent dans des lacs dont ils n'ont pas accès à des espèces de poissons forage pélagiques, eux autres atteignent la taille de maturité sexuelle entre 34 et 44 cm. C'est un point intéressant qui montre les croissances rapides des poissons qui se nourrissent de poissons forage pélagiques versus les populations qui ne se nourrissent pas de poissons pélagiques. On va puiser ça. Est-ce qu'il y a de l'air? C'est beau? Hein, Paul? Hey, un autre belle. Ouais, mais petite différence à comparer de la semaine passée. La semaine passée, c'était tout au devant. Aujourd'hui, en tout cas, ça semble être les cuillères.
Oui, mais comme je te parlais, on avait remarqué qu'il y avait cette semaine, il mangeait du chabot qu'on a déterminé. Ouais. Puis j'ai remarqué à l'œil le mouvement des poissons à peau en souffrance. Ça donnait un peu l'effet d'une cuillère. Mais là, j'ai décidé cette semaine d'exploiter un peu plus les cuillères. Puis aujourd'hui, bien, comme on peut voir, ça nous a rapporté trois belles grilles jusqu'à date. Absolument, absolument. Puis des belles en plus de ça. Ma passion, c'est quelque chose qui a commencé, ça fait plusieurs années, parce que je suis la quatrième génération de pêcheur familial. OK. Puis mon grand-père, c'est un Amérindien. Oui. C'est un homme qui a toujours gagné sa vie avec l'eau. Mm-hmm. Puis dans les années 30, 40, aller jusque dans les années 50, on pratiquait la pêche commerciale. Puis c'était littéralement le gagne-pain de ma famille. Tout en faisant la drave, puis un peu, ma famille a participé au développement de l'Outaouais dans les derniers 100 ans. Puis la drave, c'était un point commercial très important dans la vallée de l'Outaouais, surtout le couloir de la rivière de l'Outaouais, la Gatineau, puis la rivière du Lièvre. Il y avait beaucoup de coupes de bois dans le temps, là. C'est littéralement la coupe de bois qui a mis l'Outaouais en branle. Sans bois, probablement qu'il n'y aurait rien dans l'Outaouais. Il n'y aurait rien. Ça a été le développement économique, la base fondamentale du développement. C'est ça. Très intéressant, ça. Ça, c'est ça qui est intéressant quand on pêche dans différentes régions. Puis la rivière de l'Outaouais, puis les Outaouais, c'est une des régions les moins visibles en tant que telles. Tout le monde parle des cantons de l'Est, le parc des Laurentides, le parc de la Vérendrye. Mais les Outaouais, c'est des milliers et des milliers de plans d'eau. Puis si on regarde le paysage ici, là... La semaine passée, le nombre de chevreuils que j'ai vus, les daignes sauvages, la perdrix, puis l'historique de l'endroit est phénoménal pour les gens là, en tant que tel. Oui, puis il y a plusieurs gens qui visitent la capitale nationale puis qui n'ont aucune idée que l'Outaouais, c'est si vaste puis si beau. Puis la qualité de l'eau, la nature, la pollution est presque nulle. Oui. Tout ça à une heure de la capitale nationale, puis c'est quelque chose à découvrir, c'est sûr. Ah, nous, le voyagement à matin était spectaculaire, puis le paysage, là... Les chevreuils, puis on a vu les urubus sur le bord de la route. Chevreuils en montant sur le petit chemin vers le lac un matin, en plus de ça, c'était impeccable. Puis moi, je me souviens, la semaine passée, à 10 pieds du camion, les chevreuils étaient là en train de se nourrir. Puis pas peureux, pantoute, pantoute, pantoute. C'était de toute beauté, de toute beauté. Oh yeah, oh yeah. She's a fighter. Elle est plus que 50 ans. Bon? Moi, je pense que oui. Tu as la clarté de l'eau, c'est incroyable. Sais-tu, la truite grise, c'est ça qui est le fun, hein? C'est ce combat, moi, j'ai toujours adoré le combat d'une truite grise. C'est similaire à un mosquin. Très similaire comme combat à un mosquin. Hein, je t'amène ça. Bien sûr. Oh, je sais pas, c'est un 55. Elle est bédaine. C'est un beau poisson. Elle est bédaine, là, mais... Elle la voulait. Elle est proche des tackeepers. Tiens, toi. Ben, la petite remise à l'eau. Ouais, mais... Yes, sir. Excellent, excellent. Une belle petite journée. 4. Yes. Moi,
J'essaie de garder toujours le meilleur. Tu sais, Mon devant. Mais j'ai toujours pêché, aimé pêcher à grise avec les devants. Les cuillères ont chagné pas mal, là. Puis le devant, ben. J'ai dit, ça fait un petit bout, là. Les cuillères marchaient pas, on va changer ça. On a fait une passe à cuillère, OK, on va revenir avec les devants. Ce qu'on fait, on essaie tout le temps de pogner l'autre. Moi, je dis qu'on y va pour. Good. Paul, merci beaucoup pour cette expédition en Outaouais pour le Touladie. Marc, merci beaucoup de t'accompagner. Ça fait grand plaisir, merci. Journée phénoménale. 7 poissons à 2 bateaux, dont 4 dans le nat. Incroyable comme pêche. Super journée. Incroyable. Merci beaucoup à vous deux. J'inviterai les gens à communiquer avec Paul s'ils sont intéressés à pêcher les Outaouais pour les salmonidés, le doré ou le chigan. Le numéro va apparaître à la fin de l'émission. Pour plus d'informations à propos des informations scientifiques qu'on a partagées avec vous, visitez notre zone de ressources. Vous allez retrouver tous les documents en PDF du ministère du Québec, ministère de l'Ontario et les autres ministères à travers de l'Amérique du Nord. Merci beaucoup. Sean! Paul, c'est fini la journée avec un dernier, tu l'avais dit! Oui, yes! I will open. Yes, sir.